Bonjour et bienvenue dans ce nouveau lieu du Festival d'Avignon, le lycée Vincent de Paul. Nous sommes très heureux de vous retrouver, vous savez bien pourquoi, après un an d'absence ici, en tout cas à Avignon. Très heureux de vous retrouver dans ce lieu, mais très heureux aussi de retrouver tous les auditeurs ou tous les habitués des réseaux sociaux, puisque ce cycle de lecture ça va le monde, est diffusé sur le Facebook Live de RFI. Donc on aura des messages, j'imagine, de Guinée, puisque c'est un auteur guinéen qui est lu aujourd'hui, mais d'un certain nombre de pays de par le monde. Puisque je parle de cette diffusion, je dois d'abord remercier l'équipe technique de RFI, sans qui ces mots ne sortiraient pas de cette cour de lycée. Donc dans l'ordre d'apparition, Romain Ferré, Thibaut Baduel, Jérémy Bessé, Dominique Fian, et puis parce que je suis généreux, Philippe Nadel et Nicolas Benita qui sont là en soutien surtout moral, mais parfois technique aussi. Un grand merci à la SACD qui, depuis le début de cette aventure, donc depuis 9 ans, nous accompagne dans ce projet de lecture de textes francophones du Sud, africain, haïtien, libanais, tunisien, il y a eu un persan aussi, un iranien. Merci cette année à l'Institut français qui rejoint l'aventure. C'est important pour aussi donner comme ça, des visas à tous ces textes et à tous ces auteurs qui peuvent de fait voyager de par le monde grâce à l'Institut français. Aujourd'hui, donc, première lecture, premier texte, qui, comme tous les autres, sera dirigé par Armelle Roussel, assistée de Valentina Sanchez, donc une mise en voix, une mise en lecture, une mise en espace, je ne sais pas comment nommer cela, en tout cas, c'est ce que vous allez entendre. Un texte d'un auteur guinéen, Souleymane Ba, qui est dans la salle et que vous pourrez rencontrer à l'issue de cette lecture, qui a obtenu l'an dernier le prix RFI Théâtre, puisque le nouveau, celui de 21, sera connu au mois de septembre. Donc, Souleymane Ba, lauréat du prix RFI Théâtre, pour un texte qui s'appelle « La cargaison », sans rien déflorer de son histoire et du parcours de l'auteur, c'est le troisième texte de cet auteur qui avait fait beaucoup de mise en scène auparavant. C'est un texte fort, violent, où on peut sourire, mais qui aussi peut vous prendre à la gorge, et qui est donc interprété aujourd'hui par Serge Hieronekoto, Vincent Mine, Nadège Ouedraogo, avec une création sonore de Pierre-Alexandre Lampert, La cargaison. Bonne lecture. Prologue. La balle. Quand on est coincé dans un monde qui n'est pas le nôtre, le temps se rit de notre destin et de notre enfermement. Il se rit de l'insomnie qui nous sert de compagne. Ici, c'est pas chez moi. Je ne suis pas chez moi ici. Mes copines, elles ont eu de la chance. Elles sont entrées par une porte, elles sont sorties par une autre. Moi, je suis restée coincée là, alors qu'ici, je suis pas dans ma maison. C'est la maison qu'on m'a imposée. On m'a pas demandé mon avis. On m'a balancée ici, comme un tir à un caillou dans lance-pierre. J'ai pas eu d'autre choix que de pénétrer. Sinon, je ne suis pas de celles qui s'incrustent, non. Même si parfois, je viens en surprenant mon hôte. Mais pour ça aussi, il faut que je sois... commissionné. Commissionné, comme on dit ici. Ouais. Contrairement à ce qu'ils disent, je ne suis pas perdue. Je ne me perds jamais ici. Je vais toujours là où on me dit d'aller. Et s'il m'arrivait de dévier de ma commission, ils envoient toujours d'autres copines pour faire parvenir leur message. Nous sommes toujours une colonie d'envoyés spéciales. Nous sommes les fusées félines qui guettent, pénètrent les maisons sans être invitées. De jour comme de nuit, nous trouvons portes et portails sans attendre d'être invités.
Merci à tous ces asiles de nous accepter chaque fois qu'ils nous envoient. Merci de m'avoir laissé délivrer leur message parce que, mine de rien, ça fait du bien d'avoir la satisfaction du devoir accompli. Et maintenant que j'ai accompli ma mission, j'aimerais qu'on m'aide à sortir d'ici, puisque je n'ai pas eu la force de me creuser une porte de sortie. Alors, j'exige qu'on m'extrait d'ici. Moi, j'ai fait que mon devoir. J'ai fait ce pourquoi on m'a mise au monde. J'ai fait que suivre la ligne de ma destinée. Je pénètre là où on m'envoie pénétrer. Le médecin. Chers collègues, la voilà encore, la maudite cargaison. Mais cette fois-ci, on la laisse dans la cour. Exactement dans la cour. Cette merdeuse cargaison est une malédiction. Il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Hors de question qu'elle reste ici. Est-ce à nous de nous la coltiner si tout le monde la refuse? Non, c'est hors de question. Cette cargaison ne se porte pas avec le sourire. Elle écrase notre avenir du poids de son passé. Alors, si on refuse de la voir entre les bras, cela s'appelle légitime défense. Les journalistes viennent fouiner? Et alors? On leur dit qu'il y a une fuite d'eau dans le bâtiment. Je sais, il n'y a pas de fuite d'eau et il n'y a pas d'eau dans les robinets depuis un mois. Bon, ce n'est pas la peine de me le rappeler. Bon, dans ce cas, on va leur dire que la totalité du bâtiment est envahie de rats. Des rats infectés d'Ebola. Ces piscopies mourront de rire en voyant ces bestioles brandir des pancartes pour dénoncer le mauvais traitement qu'on leur inflige. La cargaison risque donc de contracter le virus. L'autorité dit toujours, plus le mensonge est gros, eh ben, plus ça passe. Alors mentons gros aussi, comme l'autorité, pour ne pas avoir la cargaison entre les pattes. À chacun son mensonge pour camoufler le mal qui le ronge. Hors de question que je rentre chez moi en puant l'odeur de cette cargaison pourrie. Fuite d'eau depuis la dernière fois que le colis avait été embarqué d'ici. Et épidémie d'Ebola. Chambre et lit. Chiottes et balai à chiottes. Poignée de porte et serrure. Clés et carreaux et murs. Tous infectés. Ça grouille de rats. Jusque dans les sourcils des souris qui exigent d'être confinés dans des solutions hydroalcoolisées. Donc, nous veillons à ce que les colis ne soient pas infectés. Nous sommes responsables, nous. Voilà ce qu'on dit à ces fouineurs de journalistes qui se pointeront. Il faut jouer jusqu'au bout, jouer à fond. Il faut jouer à fond comme il faut. Les oiseaux n'arrêteront pas leur cui-cui parce que cette cargaison ne trouve pas de garage. Pas de place. Alors, à part la laisser continuer à pourrir ici dans la cour, on reste scotché sur les ordres de l'autorité comme... Un impuissant à sa boîte de Viagra dans une partouze. Bon, allons nous occuper de nos rats révoltés et de nos souris malades. C'est prioritairement la priorité des priorités. S'occuper de nos rats révoltés et de nos souris malades. L'autorité a dit que si les proprios veulent, que chacun vienne ramasser son colis. Que chacun vienne ramasser son foutu colis. Les morts. Nous sommes de là-haut, de la crête d'où le soleil a abandonné ses yeux de biche, de la pointe d'où ne bruissent que des fœtus apeurés, de la cime des pleurs étouffés dans des utérus balafrés. Nous sommes de là-bas, du sommet de cette colline poussiéreuse où nous faisons la cour à la mort, de là où les maisons sont faites de briques poreuses, de là où les barricades sont tissées de laine spongieuse, de là où l'autorité n'autorise que la terreur. Nous sommes les souffles de là-haut, où les écoles ne croisent pas de gamins, où les hôpitaux ne lavent pas de chagrin, où les mitraillettes chantent de jour comme de nuit. Vous n'avez pas besoin de tendre l'oreille. Le temps d'un battement de cils, vous en aurez pour vos tympans. Nous sommes nés là-haut. Sur cette bretelle estampillée de nécrologie. Nous avons grandi dans cette artère où le sang gicle pour nettoyer les rues. Nous sommes les destins fractionnés, terrain de jeu d'ambitions opposées, radio et télé, murs de nos maisons,
panneaux de notre ville. Partout, nous sommes les immolés de la République. Si, pour sa valeur, on n'arrose pas tendrement une fleur, c'est arrogamment qu'on tranchera son corps pour laisser le soleil avaler son sang. Et nous sommes les fleurs décapitées de notre terre qui respire d'indifférence organique. Et nous sommes les bourgeons écrasés sous les bottes des appétits antagoniques. Nous sommes de là-bas, de là où la mort fait le mort, parce que trop fatigué de sévir, de là où le sang a si bien arrosé la terre que révulsée, elle implore de mourir. Là-bas, la peur a peur de nous, la douleur a mal pour nous. Nous carburons à la mort parce que la vie ne nous saoule plus. Nous sommes les camés d'une vie où la mort reste le seul shoot qui nous fait planer. Alors elle vient vers nous, parée des rondeurs aguicheuses de la flicaille de la République autour des ronds-points de notre cité éclopée. Nous dansons la danse des corbillards crépusculaires. Nous dansons le ballet des cercueils en colère. Nous dansons jusqu'à la dernière étreinte de la mort. Nous dansons et dansons jusqu'à ce que la mort soit morte. Encore, Crazy Boy. J'en ai marre de subir ça tous les soirs. D'être couché sur le dos, à regarder ce plafond. Couché sur le dos, à entendre ce gardien se faire couiner par sa nana, à les entendre tous les deux se fouiller, se farfouiller. Nous voilà encore de retour dans cette morgue pour subir les crissements des mêmes vieux brancards à caissons rouillés, des caissons à fournaise qui nous bouffent les corps dans cette morgue. Après avoir passé toute une journée dans la cour d'un hôpital en plein caillard, on revient ici encore et personne pour se couper de nous dans cette morgue maudite. Moi, j'en ai marre. Marre. Vous avez tous les yeux et les oreilles fourrés dans le fillon. Vous pioncez tranquillement pendant qu'on nous balade. Ils n'ont pas le droit de nous balader comme ça. Moi, je dis qu'on devrait manifester. Avec des slogans et tout? Les mecs, faut manifester. Manifester? Nous savons faire ça. Alors, faut manifester avec des slogans et tout. Pour dire, exiger qu'on soit enterré. Avoir enfin le repos que nous avons mérité. Ils nous ont suffisamment baladés comme ça. Qu'est-ce que t'en dis, Blood Boy? Tu veux savoir comment on va faire pour manifester? Bah, j'en sais rien, mais... Et Fireboy, je t'interdis de me dire de la fermer. Me dis plus jamais de la fermer. Est-ce que t'as compris? Sinon, je t'éclate la tête jusqu'à ce que ta mort soit morte. T'as pigé? Si tu me dis de la fermer, je te trouve la tête à coups de pierre. Je parle! Si je veux, je parle pas. Si je veux pas, je parle. Et là, je veux parler. Et là, alors, je parle puisque je veux pas. Enfin, je veux dire que... La ferme, tu m'embrouilles! Oh! Hé, poids lourd, te mêle pas de ça. Ce connard, faut toujours qu'il la ramène. Sa gueule de ventouse à WC pour remonter ses merdes. Et toi? Oui, toi. Il y en a marre à t'entendre depuis qu'on est là. Jouer tout le temps ton imam à deux sous. Tu l'ouvres que pour s'éliminer tes versets d'hypocrisie. Eh ouais. Je l'ai dit. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas me faire quoi, poids lourd? Je te pisse dans la gueule. T'entends? Gros tas de viande. Merde quoi! Si vous savez à quel point votre léthargie m'insupporte, putain, bougez-vous! Si on ne s'est jamais laissé piétiner dans notre vie, mais c'est pas dans notre mort qu'on devrait accepter qu'on se foute de nous. En plus, cet endroit est un vrai crématoire. Il y en a marre de ces trous qui n'en finissent pas. Marre d'être dans cette fichue morgue, chambre à gaz de fichu crématoire de mai 2. La morgue. Retour à la case départ, chers amis. On vous ramène les fesses encore chez moi. Alors que vous vous plaignez de ma température, petit cadavre ingrat de merde que vous êtes. Tu me diras, c'est mieux qu'un camp, rempli de bidasses beurrées tout le temps. Et toi, Ganja Boy, t'es jamais satisfait et t'empêches les gens de se reposer. Pourquoi faut-il toujours que tu te plaignes? T'es pas seul ici. Et toi aussi, Sniper Boy. Je vais finir par péter un câble, disjoncté, décalqué.
Est-ce ma faute si je ne suis pas froide? La chaleur que je dégage, qu'est-ce que j'y peux? Vous croyez que je n'aurais pas voulu être toute fraîche et bien accueillir vos corps froids? Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, les enfants. C'est ce qu'on dit, non? Qu'est-ce que j'y peux si le courant est toujours croulant dans ce pays? Je ne suis pas une dynamo, Ganja Boy. Je ne produis pas mon énergie. Je rends ce qu'on me donne. Je fais comme je peux. Si le courant se barre en courant et qu'il revient en croulant, ce n'est vraiment pas ma faute. Alors taisez-vous et laissez-moi tranquille. Ganja Boy, tu t'en prends à ceux qui vous ont envoyé ici. Tu ne devrais pas te plaindre, mon petit. Quand on t'a débarqué, éructant, ta cervelle de ton crâne fendu et bavant de sang de ta poitrine, tu étais bien content de trouver un endroit pépère pour te reposer. Certains de tes amis ont dû traîner ici à même le sol pendant toute une nuit et toute une journée. Est-ce que tu les entends se plaindre? Personne ne se plaint. Chacun fait ce qu'il a. Tu nous casses les oreilles avec tes appels à manifester. Tu oublies que ce sont ces manifs qui t'ont foutu dans cette merde. Tes amis, eux, veulent dormir. Ils sont fatigués de la vie qui les a brisés. Fatigués d'être trimballés de droite, de gauche. Fatigués de ces manifs qui leur ont salopé l'avenir. Fatigués d'être rejetés par tous les hôpitaux. Fatigués qu'on leur refuse d'être enterrés pour qu'ils reposent enfin en paix. La balle. Elle a pas tort, les gars. Rentrez vos petites griffes de souris. Au fait, j'ai pas beaucoup entendu le frimeur qu'il avait reçu en pleine tête. Mais t'as raison, Blood Boy. T'as parfaitement raison. Beaucoup d'entre vous ont reçu des balles en pleine tête. Un trou d'une balle dans la tête. C'est pas un signe particulier dans vos quartiers? Il n'y a pas de quoi frimer comme un coq unique dans une basse-cour. Il se faisait appeler Ronaldo le crâneur. Elle est arrivée trop vite, beaucoup trop vite, la balle. Il n'a pas eu le temps de se la voir venir, la balle. Un coup de feu qui te prend. C'est comme un puceau qui se paye sa première tapineuse, tu vois? Il a à peine enfoncé qu'il avait déjà craché. La meuf a même pas eu le temps de se la voir glisser en elle, tu vois, que Popo l'a déjà dégorgée. Mais exactement comme cette racoleuse prise de court par la purée du puceau. Quand le sang te gicle des tripes lorsqu'une balle perfide te troue, allez Ronaldo, pas la peine de criser. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Hein? Les gars, Ronaldo était en vacances. Après avoir signé un contrat pour entrer dans le club cadet du FC Barcelone, il était venu se la péter dans le quartier. Ah, tu vois ce que je veux dire? Hein? Ronaldo était sorti pour acheter un sachet d'eau glacée parce que le courant avait découché. Il était de dos, le mec, tu vois? De dos, le sachet d'eau dans la bouche du mec, tu vois? L'eau fraîche qui lui coule le long de son gosier au mec et d'un coup l'eau qui reflue vers le cerveau. La balle vient de traverser la tête du mec. Il avait senti à la tête comme une morsure, quoi, le mec. Il avait senti comme une piqûre, tu vois? Comme une morsure, quoi. Comme un picotement qui annonce l'absence d'un picotement. Allez, Ronaldo, je raconte ça à tes potes pour rire. Pour rafraîchir un peu la chaude atmosphère de ce corbillard. Ah ouais. Au fait, tu sais que pour le keuf qui a tiré sur ta noix de coco, c'était aussi pour détendre son peloton. Juste pour rire un peu. Un pari, quoi. Tu vois qu'il avait fait avec ses potes. Hein? Pour un pari. Pour se détendre. Alors, détends-toi, toi aussi. Un corps. Poids lourd. Non! Non! Pas ça! Pas ce gardien, les amis, au secours! Dites à ce gardien de me laisser tranquille! Ce gardien au corps de cure-dent me soulève encore! Dites-lui de me laisser tranquille! Non! Pas lui! Pas lui! Dites-lui, les gars, que je suis bien ici, même sans courant! Fais chier, lâche-moi! Merde, me touche pas! Voilà!
Voilà. Je t'avais dit de ne pas me toucher. Voilà. Tu me pètes le nez et mon sang me tache mon linceul. Non, 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 c'est pas drôle, les gars. Je trouve vraiment pas ça drôle. Pourquoi faut-il que ça soit systématiquement mon cœur, mon corps de poids lourd, que ce cure-dent humain se donne l'obligation de porter? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Le mec est aussi solide qu'un épi de fonio en pleine tempête, fichu gringalet de pelle nourrie au lait de chatte paludienne. Lâche-moi! Lâche-moi! Je vais me débrouiller seul ici. Il y en a marre! Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à creuser un trou, à nous jeter dedans, même si c'est un seul trou, une seule fosse, pour qu'on dorme enfin ensemble, ou qu'on nous laisse pourrir ici, ou qu'on nous mette dans une seule et unique caisse à jeter dans l'océan, une seule et unique caisse à fourrer dans le ventre de l'Atlantique, un seul et unique cercueil pour tous, et tout ira enfin bien. Le soldat. Soldat ! Oh ! Il paraît que le courant a fichu à la morgue. Alors on nous demande de la garder, la cargaison, jusqu'à demain matin, 0600. Si elle est abandonnée dans cette cour du camp, c'est pas notre problème. C'est la faute à la sous-autorité. Personne n'empêche un quelconque proprio de venir ramasser son colis. Les caisses restent ici, pour la nuit. Soldats ! Oh ! Vous restez bien en place. Personne n'entre en dehors des propriétaires des colis. Tout autre petit connard qui débarque au camp, on l'arrête ! Il n'est pas question qu'il y ait un quelconque cortège funèbre cette fois. Un point, c'est tout. Soldat ! Oh ! Les ordres sont les ordres. L'autorité a fini d'ordonner les ordres. Allô ? Comment ? Ah oui, patron ! Une colis ? Oui, je suis avec les colis au camp. Je sais, patron. Bien compris, patron. Jusqu'à 0600. Mais je suis d'accord, patron. La sous-autorité veut jouer, alors on va jouer. On verra bien qui aura le dernier mot. On verra bien qui a le plus d'autorité. Paiera bien qui paiera le dernier. Les médias sont déjà là. Mais on s'en fout, patron. Les médias sont faits pour parler. Quand ils auront la gueule suffisamment ouverte, nous y fourrerons quelques billets, histoire de leur donner de quoi mâcher, pour la leur fermer. Une bouche qui mange ne parle pas, patron. Ils savent tous que c'est impoli de parler en mangeant. Un corps, un bébé dans le ventre de sa mère. À quoi ressemble le monde ? À quoi ressemble ce pays ? À quoi ressemble papa ? Mes frères, mes sœurs, mes amis, mon école, ma maison, à quoi je ressemble? J'ai eu qu'une seule maison jusqu'ici, une maison sécurisée aux petits soins de maman. Je ne l'ai jamais vraiment vue, ma maman, mais je la connais plutôt bien, ma maman. Ça fait 7 mois que je me nourris d'elle, qu'elle me parle tout bas, pour que personne n'entende nos secrets. Ma maman me raconte que le monde n'est pas très beau. Mais elle dit qu'il faut accepter de voir cette laideur du monde si on veut s'émouvoir du peu de beauté qu'il nous propose. Donc, pour sourire de cette belle chose, je vais regarder droit dans les yeux toutes les horreurs que l'homme est capable d'enfanter. Ma maman, elle veut aussi que je le connaisse, le monde, parce qu'elle dit, et elle est sûre, que je peux y changer quelque chose. Parce qu'elle dit, ma maman, que je serai quelqu'un de bien. Ma maman, elle tire les étoiles tous les soirs pour moi, pour que la lumière brille dans mes yeux. Ma maman, elle me couvre de ses chansons tous les vilains bruits qui peuvent me faire peur. Sauf que ma maman, je ne l'entends plus depuis quelques jours. Elle ne dit plus rien, ma maman. Peut-être qu'elle est fâchée, maman, pour le coup de pied que je lui ai donné la dernière fois. Je voudrais lui demander pardon à ma maman, mais je ne l'entends plus. Je ne suis pas sûr qu'elle m'entende aussi et je ne la sens même plus, ma maman. Sinon, je lui aurais demandé à maman, c'est quoi ces disputes que j'entends? Je pense que ce sont ces disputes qui m'empêchent d'entendre la voix de maman. Silence, mes frères! Silence, je dis. Chut! Maman? T'es là? Est-ce que tu m'entends, maman?
ces disputes qui perturbent mon repos et couvrent ta voix de maman, ces empoignades de portes qui claquent, de larmes qui hurlent, d'ambulances qui pleurent, ces engueulades plantées dans le pic morbide des alcools et le parfum irritant du formol, je sais que tu les sens ces bruits, maman, puisque c'est par toi que je sens tout, maman. Tu es certainement aussi fatiguée de ces allers et retours. Tu es fatiguée pour toi, et pour moi, et pour nous deux. Ce n'est pas très facile de se porter et porter quelqu'un d'autre en même temps. Surtout si ce quelqu'un d'autre est en nous. Si ce quelqu'un d'autre gigote en nous. Elle est lourde, maman. Elle est lourde de moi. Elle est lourde de mon corps qui gigote et donne des coups de pied. De mon corps recroquevillé de 7 mois, il ne manquait plus que 2 mois pour qu'on fasse plus ample connaissance, maman et moi. Mais tout s'est arrêté. Quand elle revenait du marché, maman, après avoir vendu son petit carton de poisson, elle chantait très fort une petite chanson pour couvrir les bruits de la ville, pour que je ne l'entende mieux. Quand un crépitement a rompu la voix de maman, le crépitement l'a arrêté net, maman, et ma maman, elle ne chantait plus. Et maman, elle n'a pas pu courir parce qu'elle est lourde de moi, ma maman. J'ai senti quelque chose qui arrêtait de bruire. Un bruit a arrêté un autre bruit. Ce bruit qui frappait sa cadence de la poitrine de ma maman. Ce bruit de maman que j'entendais dans ma poitrine aussi. Je n'ai plus entendu ces bruits. Et depuis, ma maman ne chante plus, dit plus rien. Pourtant, je lui ai donné beaucoup de coups de pied pour qu'elle me chuchote son « Aïe, arrête avec ton petit pied mal poli. » Elle ne me chuchote plus. « Aïe, arrête avec ton petit pied mal poli. » Mais je sais qu'elle est là, autour de moi, et moi en elle. On est fatigué d'être ici, maman, et moi n'avons rien à faire ici. Maman et moi n'étions pas en train de manifester quand cette balle a arrêté la chanson de maman. Maman et moi étions dans notre quartier, à quelques pâtés de maison de notre maison. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que la petite lampe d'amour qui frétillait au cœur du ventre de ma mère soit claquée d'un bruit qui crépite? Maman et moi voulons dormir maintenant. S'il vous plaît, laissez-nous dormir. Le cercueil. Fais chier. Ça suffit. Pourquoi faut-il que ce corbillard tombe encore en panne, en plein embouteillage en plus? Tu la ramènes encore, Ganja Boy? Nous avons tellement porté vos corps que nos corps ne sont plus loin que d'être des débris de bois. Nous puons de plus en plus vos cadavres. Nous vous offrons nos entrailles dans une cohorte qui n'en finit jamais. Chaque semaine, vous débarquez encore et encore, en fil ininterrompu. Pour vous transporter en supportant l'odeur des aisselles des mecs qui nous portent, des mois qu'on bourre nos ventres de cercueil, de vos corps qui insupportent. Oh non! Il faut toujours que ce connard de chauffeur prenne ce corbillard. Ce n'est pas la première fois que son taco nous lâche. Corbillard dépiécé pour cadavres avariés dans des cercueils bousillés. Nous sommes le parfait trio qui concentre toute la malédiction de ce bled. Vous avez fait de nous des cercueils ambulants, au vrai sens du mot. Non, non les gars. Nous ne sommes pas là pour ça, nous n'avons pas été fabriqués pour ça, nous n'avons pas signé pour ça, nous n'avons signé que pour un seul voyage dans un corbillard, de la morgue au cimetière, un seul itinéraire, un point, un trait, pas pour cet infini ping-pong, nous n'avons pas signé pour ça, on en a ras-le-bol de ces allers et retours, chaque semaine il y en a de nouveaux qui débarquent, nous n'avons même pas le temps de souffler, pas de vacances, pas de pause cigarette pipi, pas de RTT, congé maladie, pas de congé parental, pas de chômage partiel, pas de chômage technique, de chômage économique. Oh. C'est qui ce mouton de policier encore? Même pas fichu de gérer ces conducteurs mal élevés. Regardez-le qui sue par tous les pores de ses raquettes quotidiens. Et notre connard de conducteur qui nous plante, là, ici, maintenant. Non, pas ça, s'il vous plaît. Il se mouche et se cure le nez de la même main avec laquelle il bouffe ses boulettes de viande. Mais putain! Voilà ce que nous sommes obligés de supporter. Et tout ça à cause de vous. Alors, si vous y mettiez un peu du vôtre, on y gagnerait tous, je sais pas, moi. Apprenez à éviter leurs envoyés spéciales. Depuis que vous faites mumuse avec elles, vous auriez dû apprendre à les dribbler ou leur faire la cour pour les baiser. Mais c'est vous qui vous faites baiser.
Vous vous pointez avec de pauvres petits cailloux pour les exciter, et inexorablement, elles vous tombent dessus, comme des abeilles, et elles vous baisent. Elles vous baisent. Elles vous baisent par tous les ports et portes. Bon, et maintenant, il faut trouver des gens pour pousser ce taco de corbillard. Peut-être une halte dans la mosquée en face, en espérant que Dieu, lui, vous accepte dans sa maison. Et vous aurez le temps de lui demander sa bénédiction pour qu'on vous enterre enfin, ou au moins pour qu'une morgue avec du courant vous accepte, qu'une chambre véritablement froide daigne vous recevoir, parce que, visiblement, personne ne veut s'encombrer de vous, de la maudite cargaison que vous êtes devenue. Cargaison ? Cargaison ? Oui, c'est ça. Cargaison. T'aimes pas ce mot, hein, Ganja Boy ? Je comprends que tu ne l'aimes pas, mais c'est comme ça qu'on vous appelle. La cargaison. Le chargement. Les colis, les marchandises. Les articles périmés, dont tout le monde se fiche pas mal de leur date de péremption expirée. La balle. Parce que l'autorité a dit à vos proprios que chacun vienne ramasser son coulis. Seulement le sien. Sauf que la sous-autorité. La sous-autorité qui veut la place de l'autorité. Celle qui vous a appelé à brûler des pneus et à verser de l'huile de vidange sur la chaussée. Oui, celle-là. Elle dit à vos parents de laisser l'autorité vous balader, même si vous pourrissez. Parce que la sous-autorité jure que c'est comme ça, que l'autorité sera mise dans l'embarras. Parce que vous seriez des martyrs que le pays entier doit voir. Voilà. Voilà à quoi se résume la vie de votre mort. Pardonnez-moi d'en rire, mais honnêtement, c'est à mourir de rire. Et la vie de votre mort continue. Ben, parce qu'il n'y a pas de raison que deux éléphants qui se rentrent dedans se soucient de l'herbe qui sanglote sous leurs pattes. Dieu, venez à moi, mes enfants. Entrez donc vous reposer un peu. Ici, c'est ma maison, votre maison. Mi casa es su casa. Mes portes vous sont ouvertes. Il faut juste me promettre que vous n'allez pas faire de manif ici. Allez, c'est bon. Non, je déconne. Il faut rigoler un peu, non? Venez vous ouvrir à moi pour vous repentir. Bien sûr que je vous écouterai, Ganja Boy. Comme j'écoute tous les blaireaux de ce pays. Si vous saviez ce que je suis obligé d'entendre comme prière. Tiens, la dernière fois, par exemple, il y a un mec qui débarque et il se met à prier. Et il me demande, vous savez quoi? Ce mec me demande de l'aider à se faire la nana de son patron. Se taper la femme de son patron. Et sur le bureau de son patron. Ensuite, il me dit, de façon péremptoire, que je dois me dépêcher parce qu'il doit rejoindre sa petite flirteuse du quartier au maquis. Et un instant, et le mec s'écroule. Les fidèles se disent que je me suis fâché, que je l'ai allumé, direct. Les fidèles l'aident à se relever. Et là, le mec, dès qu'il se redresse, là, mes enfants, là, instantanément, il vomit ses tripes. Mais son vomi soulève une telle puanteur que je me dis qu'un ange s'est fait dessus, à côté de moi. Et une puanteur d'un mélange de tous les alcools connus et inconnus. La mosquée entière flottait dans des vapeurs de la gnôle. Et là, le mec regarde le muezzin droit dans les yeux. Il lui baragouine d'une langue plus proche du bruit d'un cochon qui patouche dans sa merde que de la parole humaine. Mon pote, je vois que tu me juges parce que je suis bourré. Et ça, c'est pas très sympa, mon gars. Je suis certes bourré, mais je suis pourtant un bon musulman qui respecte bien la parole de Dieu. Et Dieu, il a dit dans le Coran, pour nous qui sommes destinés à son paradis, on leur donnera un vin rare à boire, cacheté par un cachet de musc. Un vin rare cacheté de musc, mon frère. Je m'entraîne donc avant le jour J, parce que, crois-moi, frère, je compte profiter à fond de ce vin divin rare cacheté de musc. Voyez-vous, les enfants,
J'en entends de toutes les couleurs, tous les jours. Je suis donc open à toutes les sortes de sollicitations. Je ne fais pas de discrimination pour ouvrir mes portes. Des lépreux qui demandent qu'on leur fasse pousser un doigt au moins pour connaître une fois le bonheur de se curer le nez. Des aveugles qui veulent un œil au moins, un instant, pour voir à quoi ressemblent leurs zézettes. Des politiciens qui implorent de pouvoir breveter leur capacité de manipulation pour les fourguer à Satan. Des vieilles filles qui rêvent de se faire doigter par un lépreux et faire bander un aveugle. Ici, j'entends toutes sortes de prières, donc faites les vôtres, les enfants. Le bon Dieu que je suis les réalisera, parce que je suis le plus cool que ne veut le reconnaître ce petit bâtard de Lucifer. En plus, vous avez clamsé quasiment tous d'une balle en pleine tête, alors quoi de plus facile que de contenter une tête explosée qui n'a ainsi plus de cerveau pour rêver ? Allez, c'est pas la peine de faire cette tête, les enfants. Je disais ça pour rire un peu de sens de l'humour, parce que moi j'aime déconner. Croyez-moi que j'aime me taper des barres de rire, sinon pourquoi j'aurais fait une si belle planète pour la confier à l'homme ? Sinon, pourquoi je vous aurais fait naître dans un pays où la vie humaine ne vaut pas mieux qu'un brouillon de dessin d'un enfant de maternelle ? Le corbillard. Enfin, vous allez pouvoir être enterré. C'est la fin du voyage pour moi. Je m'arrête ici, les mecs. Allez vous faire dessouder. C'est ici que nos chemins se séparent, les mecs. Parce que moi, je suis fatigué, moi, de cette déambulation macabre. Mais je sais. Je sais que ça fait bizarre d'entendre un corbillard dire qu'il est fatigué de transporter des cadavres. Mais je m'en bats les pneus crevés. Sérieusement, les mecs, soyez compatissants, quoi. Je suis complètement lessivé de la vie de votre mort. Votre mort qui prend du temps à mourir. Votre mort qui vit au-delà de la vie que vous n'avez pas vécue. Votre mort qui vit les heures de la vie qui vous a été prise. Bon, franchement, quoi ? Non, moi, je ne bouge pas d'ici. Vous voyez vos potes camés qui attendent au rond-point ? Ça va encore castagner avec la flicaille. Quand ça va mal finir, comme d'habitude, quand ça va commencer à siffler de partout, tout le monde va se barrer en m'abandonnant sur le goudron. Alors, moi, je ne bouge pas d'ici. No way ! Vos gaillards de porteurs viennent vous récupérer. Non, mais non, sérieusement, quoi, les mecs ? Avec vos conneries, j'ai le corps troué partout de balles. Là, ma courroie de transmission a lâché. Mes deux pneus arrière sont crevés. Je fais pipi du réservoir, un gros pipi d'ailleurs. Tchorr, tchorr. J'ai le moteur grippé. Je fume du gaz rouillé de mon tuyau d'échappement. Je reste tout sauté de mon vieux carburateur d'ici, les mecs. Putain de purée de pommes de terre et d'igname pourri. Cette grippe va finir par avoir raison de ma vie. De patriarche de corbillard aux fesses ridées. Par le pare-brise de ma mère dépiécée en pleine manifestation, je m'en contrefiche. Chacun se débrouille avec ses moyens. Plus que 500 mètres pour arriver au cimetière. Débrouillez-vous pour le reste, je ne bougerai pas d'un pneu d'ici. Pour me jeter dans la gueule de ces excités de la gâchette, ces forces de désordre armées jusqu'aux couilles, ce n'est pas sur moi qu'ils vont éjaculer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si je bouge d'ici, appelez-moi corbillard de bâtard de connard dégoté en pièces détachées à la Barbès. Le cimetière. Vous voilà enfin devant ma porte. Après tous ces va-et-vient, hôpital, camp militaire, mosquée, rue embouteillée, hôpital encore, corbillard révolté, cercueil qui gueule, autorité et sous-autorité qui s'engueulent pour décider quand et comment vous amener à moi. La chaleur qui vous mord dans la chair morte. Pourtant, tout aurait été tellement simple si vous étiez venu un peu plus tôt. Je vous aurais accueilli en grande pompe parce qu'un cimetière s'est fait pour ça. Accueillir des corps pour que ma terre leur soit légère. J'étais ici à souffrir tout ce temps, à vous voir passer et repasser devant moi sans vous arrêter, alors que j'étais prêt à vous offrir votre dernière demeure, parce que moi, je ne peux pas vous rejeter. Mais je suis triste, très triste, triste de vous voir arriver en infinie cohorte chaque semaine. Mon corps est creusé de partout, à coups de houe, à coups de pioche,
à coups de pelle, à coups de hache, pour couper les branches des arbres. Je voudrais tellement me reposer un peu, moi aussi, passer un mois, un tout petit mois, sans voir une nouvelle fournée arriver. Chers enfants, il n'y a plus de place en moi aujourd'hui. Vous allez devoir attendre un jour ou deux. En plus, les creuseurs sont en grève. Ils disent qu'ils sont fatigués. Ils en ont marre de trancher la chair de la terre pour les mêmes, marre de vider les trous d'os d'anciens assassinés pour de nouveaux, marre de ces jeux de chaises musicales funèbres. Mais que voulez-vous ? Quand il n'y a plus de place, faut trouver de la place. Donc, on déterre les anciens et on enterre les nouveaux. Si seulement on pouvait arrêter de ravitailler la boucherie, si seulement les bouchers pouvaient tomber en faillite, si seulement j'avais encore un peu de place, mais il n'y en a pas. Alors ils vont devoir vous renvoyer à la morgue. Alors que je sens bien qu'aujourd'hui encore, de nouvelles âmes vont être fauchées, parce que là, sur votre chemin, au rond-point, la tension est montée d'un cran. Les calaches AK-47 Gluck sont prêts à cracher la symphonie de l'enfer. Encore un bébé dans le ventre de sa mère. Hey maman, maman, tu m'entends? Écoute la musique, maman, écoute, maman. T'entends la musique qui siffle? C'est comme le bruit qui avait sifflé pour te stopper. Mais tu sais, ici, c'est différent, maman. Il y a beaucoup plus de sifflements ici. Et c'est plutôt joli quand il y en a beaucoup. Et quand c'est ensemble. T'es pas d'accord, ma maman? Quand ça siffle ensemble, ça fait comme un orchestre qui joue. Ou plutôt un cœur qui chante. Oui, c'est ça. Un cœur qui chante. Mais pour bien profiter du cœur qui chante, faut que tu te concentres quand ça chante, maman. Parce que il y a de vilains bruits qui se mélangent aux jolis bruits. Maman, regarde les jeunes qui jettent des pieds et qui courent. Oh là là, c'est trop top comment qu'ils courent. T'as vu ça, maman? Regarde, maman, voyons, regarde, maman, regarde l'autre en short bleu. Tu vois comment qu'ils feintent bien et puis ils s'arrêtent. Et puis ils jettent deux, trois pierres et ils courent vite et ils feintent plus vite. Regarde, maman, comment qu'il est fort à feinter. Regarde l'autre aussi, maman, avec son boubou. Lui, il a du mal à courir avec son boubou blanc. Quelle idée quand même de venir ici avec un boubou. Dans un jeu de course et de cache-cache avec un boubou. Oh là là, il est tombé, maman. Il est tombé. Oh, les grands avec leurs instruments qui chantent. Ils le traînent, le jeune, par terre, tu vois, maman. Ils le jettent dans leur véhicule noir. C'est bizarre, très bizarre. Pourquoi ils font ça? Sûrement qu'après, ils vont compter combien sont tombés. Et ça doit être comme ça qu'ils vont voir qui a gagné. L'autre avec le short bleu, lui, il est toujours là, maman. Trop fort, trop top, trop malin, le gars. Ça allait trop bien, le jeu. Oh non! Le petit au short bleu, lui aussi, il est tombé. Il est tombé, maman. Regarde, maman, il est tombé. Ses copains, ils l'ont pris, maman. Ils courent avec lui, maman. C'est trop bien. Comment qu'il joue bien, trop bien. Maman, s'il te plaît. Maman, pitié, laisse-moi sortir jouer avec eux. Je sors jouer et je reviens très vite. Tu n'auras même pas le temps de te rendre compte que je suis dehors. T'es méchante, maman. Ça allait trop bien ce jeu et toi tu veux pas me laisser sortir jouer. En plus, tu me réponds pas. Pourtant, j'ai fait aucune bêtise. Méchante. Méchante, maman. Puisque c'est comme ça, moi non plus je ne dis plus rien. C'est ça. Je te fais la gueule. Rien du tout. Je te fais la gueule. Bien fait pour toi. Je ne dis plus rien. Encore. Bondir, fléchir, tomber, face à face, canon à eau, face à face, AK-47 à chaud, face à face, balle à l'assaut, face à face, cercueil qui cogne du sol, face à face, caillou qui chante en vol, face à face, pour enterrer des morts, il faut de nouveaux morts, face à face. Face contre face, face de tête excitée, contre face de canon surchauffé. Où sont les corps à enterrer aujourd'hui? Quels sont les corps à déterrer aujourd'hui pour faire place? Face contre terre maquillée d'hémoglobine, les cadavres mordent le bitume, les vivants se cherchent et se fracassent. Où sont les corps à ensevelir?
Quels sont les corps nourris pour pourrir la terre? Ce sont eux qui tombent des cercueils éventrés pendant la débandade. Pour enterrer d'anciens morts, il faut faire mourir de nouveau. Ici, on meurt de tout, y compris quand on vient enterrer. Corps de mort anciennes rejoignent sur l'asphalte, corps de mort nouvelles. Ils sont venus nous enterrer et ensemble nous serons enterrés, mais pas aujourd'hui. Même si le cimetière est à portée de main, à portée de flingue, à portée de flicailles qui dansent au rythme des balles qui chantent, les boubous amidonnés de la sous-autorité ont filé dans leur carrosse aux vitres teintées, pendant que les camés à la mort de la colline font face aux shootés aux ordres de l'autorité, écrasés à tout va. Parce que la station debout ne sied pas à ceux qui ont le rêve facile. Rien à foutre de naître de cette terre qui avarie, de mourir de ce monde qui pourrit, d'enceinter la terre qui bruit de toutes les couleurs qui maquillent nos folies. Et s'attire, s'étire, pâle en rafale, râle en rafale, s'empale sur balle, s'emballe, s'affole, s'affale et c'est fatal. Ça meurt. Mesdames, messieurs, nous étions en direct du cimetière des Immolés de la République pour un énième enterrement qui se termine de nouveau sous une pluie de pierres, de lacrymos, de balles, de morts. Bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir. Épilogue. Crazy Boy. Quand on est coincé dans un monde qui n'est plus le nôtre, le temps se rit de votre destin flottant entre deux rives. Si tu as un peu de chance, on te creuse un trou derrière, on te bénit du pipi d'un petit sergent et de la fiente d'un piaf rachitique. Si tu as moins de chance, comme c'est le cas pour la grande majorité d'entre nous, tu vis l'hypocrisie des parents, amis et alliés dans leur branle-bas à t'offrir dans la mort ce qu'ils t'ont volé dans la vie. Nous sommes les avortons qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre cas. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore en moi? Tes copines, elles, se sont tirés de mes camarades. Il y en a qui sont entrés par une poitrine et sortis par le dos. Il y en a qui ont percuté un front, une nuque. Elles se sont instantanément frayées un chemin à travers la cervelle et se sont barrées. Mais toi, tu restes coincé en moi. Ma poitrine n'est pourtant pas ta maison, ma grande. J'en peux plus de ces va-et-vient pendant que tu gémis en moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi t'as pas montré ta bouillie quand la pince du légiste me farfouillait la poitrine. T'es allé te planquer? Non, c'est pas vrai. Je ne me suis pas planqué. Bien sûr que tu t'es planqué. Absolument pas. Tu t'es planqué? Non. Clocharde que tu es. T'as même pas honte de te laisser imposer ta maison? Et toi, t'as pas honte de te laisser pénétrer par la première venue? Boucle-la! Toi, boucle-la, oui. Je t'ai suffisamment entendu te plaindre que mon corps n'est pas chez toi. Et de te mêler de nos embrouilles. Est-ce que je t'ai invité moi à moi? Non. Alors? Alors j'attends qu'on me sorte de toi, d'autant plus que je suis pas la bienvenue ici. Ça, c'est clair. Oh, aussi clair que je suis pas le percuteur du AK-47 qui m'a tiré en toi, ou le gros con de poulet qui a appuyé sur la détente. Pas plus clair que quand tu me chauffes avec tes « Je ne suis pas chez moi, ici c'est pas ma maison, on m'a envoyé, à ta place j'aurais honte. » Parce que nous ne sommes après tout que des enfants. Hé, c'est pas juste de me mettre ça sur le dos. Je suis pour rien, moi. Des enfants, des gamins. Nous ne sommes que des mômes qui jouent, à qui jettera plus de pierres, à qui courra plus vite, à qui brûlera plus de pneus. Des gosses, tu te rends compte? Des gamins. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Tu veux me culpabiliser alors que c'est toi qui devrais culpabiliser. Je suis une balle. Une balle. Une balle, c'est fait pour être tirée. Une balle. On la fabrique pas pour qu'elle reste dans sa boîte, merde. Quand j'ai été chargée dans la calage d'un petit caporal expédié dans vos quartiers, c'était pas pour que je revienne au camp. T'as raison au fond. Et puis si ça avait pas été toi, ça aurait été une autre à moi. C'est vrai que je devrais pas t'en vouloir, mais je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué, crois-moi. Nous sommes tous fatigués de ces va-et-vient.
Et malheureusement, ça va continuer. On va devoir retourner à cette fichue morgue. Quatre autres amis sont tombés aujourd'hui encore. Pour être venus nous accompagner à notre dernière demeure, quatre de tes copines ont troué les corps de quatre autres de mes copains. Votre destin, finalement, c'est qu'on vous troue. La tête, la poitrine, l'abdomen. Peu importe. Juste qu'on vous troue. C'est toute l'histoire de notre vie. Histoire de balles qui s'allument et d'âmes qu'elles éteignent. Histoire de vie courte. Histoire de mort lente. Fin de l'histoire. Merci à vous, bravo aux comédiens, bravo Souleymane, c'est je pense une belle réception. Juste quelques échanges, ensuite vous pourrez continuer à échanger avec Souleymane si vous le souhaitez après ce court entretien. Faut-il rappeler les circonstances de l'écriture de cette pièce ? Vous êtes guinéen, la Guinée n'est pas du tout citée, ce pourrait être... un événement qui se passe dans n'importe quel pays, et pourtant il s'accroche à un événement très particulier qui a frappé, marqué, comme beaucoup d'autres, mais marqué l'actualité guinéenne il y a quelques années. Absolument. La pièce, je l'ai écrite à la suite des événements qui ont eu lieu au mois d'octobre 2019 à Conakry. C'était lié à une contestation autour du changement de la constitution en Guinée. Donc, à l'issue d'une manifestation d'octobre, certains ont été tués et les corps se sont retrouvés un peu pris au piège entre le pouvoir et l'opposition. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas, comme tu l'expliquais d'ailleurs hier, le fait de dire telle a raison, telle a tort. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer les cadavres qui prenaient la parole et qui se plaignaient de la situation dans laquelle ils sont. Comment est-ce qu'à un moment donné, les corps sont devenus des objets au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire de la matière manipulable, de la matière dont on pouvait faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les corps n'avaient plus aucune importance. Ils sont devenus à ce moment-là des enjeux de pouvoir. Des enjeux de pouvoir, ils sont pris dans une espèce de course infernale comme ça, sur lesquels ils n'ont aucune prise. Alors, pour avoir lu plusieurs fois le texte et l'entendre, pas tout à fait pour la première fois, mais pour le réentendre là aujourd'hui, il y a comme ça un mot qui m'a frappé, c'est le mot de fatigue. Il est utilisé beaucoup dans ce texte-là, comme s'il c'était la dimension principale. Il y a une fatigue qui est exprimée par le peuple, par ceux qui parlent, par les assassins même, la balle, le corbillard. On sent une fatigue. On entend la fatigue. Est-ce que c'est un sentiment dominant qui existe dans les populations ?
Oui, je pense que le fait d'avoir perpétuellement des manifestations qui sont passées les 10 dernières années, il y a autour aujourd'hui, au sein de la société, notamment guinéenne, quelque chose de l'ordre effectivement de la fatigue, parce que les gens voient des gens mourir, donc les gens se posent les questions, pourquoi en fait il faut systématiquement qu'on sorte pour manifester, parce qu'on sait que ça va se terminer de cette façon. De l'autre côté, des gens qui disent bah, de toute façon, il faut qu'on sorte. Donc il y a effectivement une espèce de fatigue comme ça dans la société guinéenne où les perpétuelles manifestations qui se soldent par des morts font que les gens sont fatigués. Mais je crois qu'en fait, cette situation-là, elle est l'expression d'un élément central pour moi dans le texte. C'est que comment est-ce qu'à un moment donné, encore, comme ceux qu'on peut avoir par exemple avec George Floyd aux États-Unis, deviennent en fait un espace dans lequel, j'utilise vraiment le mot espace par choix, comment il devient un espace, un enjeu politique. Un enjeu politique, quand vous prenez par exemple le corps de George Floyd, une fois qu'il a été tué, toutes les violences qui en sont issues, comment est-ce qu'on l'a utilisé, soit pour créer une certaine légitimité dans l'espace public, soit faire en sorte que des personnes peut-être qui n'avaient aucune légitimité dans l'espace public, tout d'un coup, ils l'ont. Donc le corps devient un objet de création d'une posture dans la société et parfois de légitimation de cette posture-là dans la société. Donc, mais je crois que après, quand on voit, ça peut être même en Palestine, mais ailleurs, quand on prend ces corps-là et systématiquement après, les corps ne sont plus responsables de leur propre destin. Non seulement ils l'ont pas été d'une certaine façon dans leur vie, parce que tout le monde sait que dans les histoires politiques, il y a toujours, en fait, à un moment ou à un autre, des questions de manipulation parce qu'il y a un objectif à atteindre à tout point de vue. Enfin, comme on dit là, à ce moment-là, la fin justifie les moyens. Comment est-ce que, en fait, tous ces corps-là deviennent tout simplement des objets, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment au sens le plus basique du terme. Je tends un coup d'œil sur le Facebook Live, puisque la lecture est diffusée sur le Facebook de RFI. Il y a un auditeur qui pose la question, qui aura le dernier mot? Est-ce que ce sera le peuple ou le pouvoir? Vous pouvez lui répondre? Ben, la question, c'est une question que je ne me pose pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le double regard de la société. D'un côté, les gens qui sont là et qui disent... enfin, c'est même pas ça. D'un côté, ceux qui sont dans l'opposition et de l'autre côté, le pouvoir, ils ne m'intéressent pas, vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est ce que, à ce moment précis, les corps, eux, ils disent. Parce que c'est pour cette raison, d'ailleurs, si vous, à l'intérieur du texte, à un moment, il y a un soldat qui prend la parole, qui, d'une certaine façon, est la représentation de comment on appelle ça, du pouvoir. Mais il y a aussi, à un moment donné, un autre personnage qui prend la parole, qui, lui, est représentant de l'opposition. À ce moment-là, la seule chose qui m'intéresse, c'est de les mettre face à face et mettre les corps au milieu. Les corps sont au milieu, sauf que chacun d'entre eux sait pourquoi il le fait, mais les corps, eux, ils n'ont plus aucune prise sur leur vie, sur la vie de leur mort. Cela sert à ça, le théâtre, c'est-à-dire à observer, à raconter, à lancer parfois des charges politiques, mais sans forcément prendre parti? Absolument. Pour moi, oui. Pour moi, c'est comme ça que ça se pose. Parce que ce serait trop facile de rejeter la responsabilité les uns sur les autres. C'est plus complexe que ça. Il y a quand même des gens qui tuent, mais d'autres qui sont tués. C'est à ça que je veux venir. Mais à un moment donné, lorsque la violence elle est exercée par un groupe, à ce moment précis, on sait que c'est ce groupe-là et qu'on peut... Parce que dans la société guinéenne aujourd'hui, c'est assez intéressant comme question, parce que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, il y a une expression, il y a deux expressions qui viennent régulièrement. On dit « on envoie les enfants des autres à la boucherie ». Ça, c'est ce que dit l'opposition. Du pouvoir. Et de l'autre côté, l'opposition dit « mais c'est qui les bouchers ?» Donc vous voyez bien, en fait, que finalement, c'est comme si les gens rejetaient les responsabilités les uns sur les autres. Mais
encore une fois, l'intérêt pour moi, c'est est-ce qu'ils ont choisi, eux, d'être là, maintenant, tout de suite, dans cette déambulation macabre? Peut-être qu'ils ont choisi d'être dans la rue, encore que, mais là, maintenant, tout de suite, ça, est-ce qu'ils l'auraient voulu, est-ce qu'ils ne voudraient pas, tout simplement, comme ils disent, reposer enfin en paix? Ce texte, vous l'avez écrit en France, en exil, accompagné d'ailleurs par l'Atelier des artistes en exil qui est installé à Paris, et je salue Judith de Paul qui est là. Vous allez retourner en Guinée très, très prochainement. Comment se fait cet aller-retour dans votre écriture? Est-ce qu'on écrit mieux quand on est loin? Est-ce que c'est plus vif, c'est plus violent parce qu'on est loin? Parce qu'il y a quand même une violence, une bonne dose d'humour aussi, mais d'humour macabre, noir. Est-ce que cette écriture-là est liée à la distance qui aura été la vôtre de l'exil? Bon, je pense qu'il y a les deux, parce qu'il y a des textes que j'ai écrits pendant, dont on parlait tout à l'heure de « Danse avec le diable », qui est aussi... Tout à l'heure, c'était il y a deux jours. de Danse avec le diable, qui est donc une pièce aussi qui convoque ce qui s'est passé pendant les élections. Et là, encore une fois, c'est pareil. La famille dans cette histoire-là, qui est la représentation de la Guinée, est prise au piège entre le cadet et le fils aîné. Donc la famille est au milieu. Alors c'est plus ce texte-là, je l'ai écrit sur place en étant encore en Guinée, mais en étant à distance, peut-être que la facilité entre guillemets de l'écriture vient du fait que pendant ces 5 dernières années, j'avais pas grand-chose à faire, et donc du coup en restant à distance, j'avais une sorte de détachement comme ça qui me permettait de plus facilement entre guillemets raconter ce dont j'ai envie de parler. Et vous consacrez au théâtre. Dernière question, Souleymane Ba. Vous avez donc obtenu le prix RFI Théâtre, c'était en septembre dernier, on vous l'a annoncé. Depuis, il s'est passé pas mal de choses, grâce aux partenaires, Théâtre Ouvert, le CDN de Rouen, l'Institut français de Saint-Louis-en-Sénégal, l'Institut français, la SACD, mais aussi d'autres partenaires ou amis se sont relayés pour vous proposer qui une résidence à la Chartreuse, qui une lecture au Grand Thé à Nantes, etc. Donc vous avez pas mal vadrouillé. 12 textes. Et donc 12 auteurs attendent le verdict pour septembre prochain. Est-ce que vous leur dites « Ouais, allez-y, ça va être sympa » Est-ce que vous leur dites « Ça change rien ce prix » Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont dans la dernière ligne droite et l'un ou l'une d'entre eux aura le prix et sera donc votre successeur? Déjà, je n'aimerais pas être à leur place maintenant, là, tout de suite. Parce que c'est vrai que... tant qu'on n'a pas été sélectionné, bon, on a moins de, entre guillemets, de pression. On se dit, bon, voilà, j'ai envoyé un texte, de toute façon, j'avais rien à perdre. Mais là, ils ont tout à perdre, entre guillemets. Ils ont tout à gagner aussi. Oui, mais c'est façon de parler, parce que je veux dire, s'ils ont tout à perdre, c'est dans le sens où ils peuvent perdre toutes les opportunités, tu vois ce que je veux dire, de tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, je leur dis bonne chance. Et je crois que, de toute façon, je suis certain d'une chose, c'est que les 12 textes doivent tous être très, très beaux. Et je leur dis, c'est une expérience extraordinaire, et humainement, et artistiquement. Et donc, du coup, j'espère qu'il y aura encore et encore d'autres prix RFI, et surtout peut-être des autrices, parce qu'on en parlait la dernière fois. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autrices. Et donc, voilà. Il y aura... Pour l'instant, on en a eu deux quand même. Il y a eu deux autrices récompensées, mais là, il y a quatre ou cinq autrices dans la présélection. Donc on verra, je ne suis pas dans le jury. Merci beaucoup. On se retrouve demain à la même heure pour la lecture de Nuit de veille de l'auteur camerounais Kwame Tawa. Merci, bon après-midi à Avignon, à demain.